Bonjour les amis, on se retrouve pour le sixième épisode du Let's Play de Monster Hunter World Iceborne. J'ai eu beaucoup de difficultés pour affronter le Baryot et je crois qu'il me suffit juste de le capturer et normalement ça devrait être fait. Donc je suis revenu au camp, voilà, et refaire le plein parce que là c'est un petit peu la merde. Et voilà, hein, puisque comme voilà, techniquement c'est une vidéo par combat et là c'est un petit peu... Plus coriace parce que le Baryos il n'est pas si balèze que ça, mais il passe son temps à faire des attaques et à fuir. Donc ça c'est un petit peu chiant les monstres qui sont toujours en mouvement. Et là je pense que techniquement il lui reste rien, un chouïa, il reste plus beaucoup de trucs quoi. Donc je dis allez on va couper là, dès qu'il commence à fuir on va partir et puis voilà quoi. Alors il est par là. Non, il est toujours sonné. Non, il est toujours pas mort. Il est toujours sonné. Donc, on a encore du boulot. Je vais prendre la boisson chaude. On va charger notre arme. Voilà. Et le revoilà, celui-là. Donc, par contre, vous avez vu, il est très difficile de monter dessus, hein. Je sais pas qu'est-ce que le plutôt vient foutre ici. C'est à peine si on peut le toucher. Hein. Allez, coup de cul, ou je sais pas quoi, coup de cuisse. Ah, tiens, une mort. Une mort. Tiens, ça c'est la première. C'est la première mort depuis tout à l'heure, voilà. On commence. Bon ça on a déjà mangé donc on s'en fout complètement. C'est la première mort. On a géré jusque là et puis bah, ça y est on s'est fait tuer. Donc il n'est pas si facile que ça. Hein. Et puis là on a le Tobi Kadachi vipère qui se balade par là aussi. Ah, je pensais pas que le Baryot c'était aussi galère, 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 galère. Je pensais que le combat serait long, mais pas aussi. Il nous reste combien de temps? Ah, ouais, 15 minutes. Ah, ouais, quand même. Hein. Ouais. Le combat il s'éternise quand même. Hein. Ouais, faut compter environ 30-40 minutes. Vraiment. Voilà, je sais pas ce qu'il nous a fait là. Où est-ce qu'il est parti? Ah,
Donc on va essayer de le battre quand même parce qu'il reste 15 minutes là. Ça commence à devenir un petit peu chaud quoi. On va essayer d'utiliser tous nos... toutes nos capacités. J'avais touché mais j'ai atteint à faire un casse pour pas mourir bêtement. Par contre on va utiliser les pièges. Voilà. Viens mon chou. Allez. Ça y est. Enfin. Eh ben dis donc. La vache mon pote. Oh là il a pas voulu que je monte. Eh ben dis donc. Ah il restait un petit chouïa. Un petit chouïa qui restait. Allez on a plus qu'à le capturer. Et après salut la quête. Eh ben dis donc. Ah ouais, il est déjà arrivé là, lui. C'est bien lui. Allez, on se dépêche. Ah là là, mais vous avez vu ça? Il reste pas longtemps sur les pièges, hein. Allez, vas-y dedans. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ah si, c'est bon. Ouf. Oh là 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 là. La galère. Bon, j'ai perdu une vie, mais je sais pas s'ils l'ont compté quand même, comme ça s'est passé au même moment. Ouais, ils l'ont compté quand même. Donc en fait, si j'étais mort et en même temps, bah il aurait été capturé, bah c'était mort. Ça a été échec de la quête. Ça a été un petit peu con, mais... Eh ben dis donc, la grosse galère à la cinématique. Regardez, je le savais. Hé, partenaire. Merci d'être venu. Tu nous as sauvé la mise. Durant nos recherches, nous avons repéré un Barioth. Alors nous nous sommes cachés. Grâce à toi, nous avons eu la possibilité d'explorer les environs. Premièrement, le bateau était recouvert d'entailles provenant d'une attaque. Mais ce n'est pas l'œuvre d'un Barioth, pour sûr. C'est sûrement l'action de quelque chose de bien plus dangereux qui vit par ici. Et puis, on a trouvé ça. C'est récent. Celui qui a fait ça ne doit pas être loin. Et toi, tu as trouvé quelque chose ? Des monstres gelés. Les Barioth ne sont pas capables de faire ce genre de choses. Et donc ? Un chat.
Ah, c'est peut-être là qu'on va découvrir le Velkana. Et maintenant? Crois en toi, petite lune. Tu te rapproches de la vérité. Mais tu vas avoir besoin de son aide. Ce dragon ancien va causer des problèmes. On se reverra. Mais je vous en supplie. Surtout, faites attention à vous. On y va, partenaire. Ça y est, nous découvrons le Velkana. Mais bon, pour ceux qui ont fait la bêta, on sait déjà à quoi il ressemble. Hein? Eh, 38 minutes. Hein. Eh ouais, hein. Ah si si, sable de dragon ancien. Ah, un nouveau niveau d'amélioration est disponible pour vos armures. Lorsque le Velkana, énigmatique dragon ancien, fit montre de sa puissance incroyable avant de s'envoler, le chasseur se lança ses trousses en direction d'Astira. Donc je pense qu'on va aller se préparer assez rapidement parce que je pense que le combat risque d'être ultra, mais ultra long contre ce dragon ancien. Je le sens bien. On va garder la Volto H de feu. Alors, je sais pas si je vais changer mon stuff parce que je trouve que le stuff de Gérald, il est assez limité. Même s'il y a de la régène dessus, je trouve qu'il est assez limité. Alors, je pense que je vais peut-être voir pour prendre un autre stuff. Merci à tous d'avoir répondu présent aussi rapidement. Les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté des terres perdues. Je passe la parole à la cinquième. Merci, chef. Nous avons récemment découvert des monstres complètement gelés dans la région du Givre éternel. Nous avons fini par en identifier la cause. Il s'agit d'un dragon ancien, apparemment. Il a été aperçu en train de survoler la mer, dans notre direction. Et il a probablement déjà atteint le Nouveau Monde. Je pense qu'il faudrait commencer à prendre des mesures préventives. Je vois. Grâce aux observations méticuleuses de la traqueuse, nous avons réussi à retrouver ce dragon ancien dans nos archives. Il s'agit du Velkana, surnommé la Wyverne de glace. Peu de chasseurs ont eu la chance de l'observer. Le plus souvent, des alpinistes ou des explorateurs s'aventurant dans les régions les plus froides du continent. On dit que ce dragon peut geler les autres créatures d'un simple souffle. Nous avions toujours présumé que ces rumeurs étaient exagérées. Si un dragon ancien aussi puissant s'est réveillé, c'est l'évidence d'un changement drastique dans l'environnement. Tout à fait, commandant. Et si je ne me trompe pas, la migration des Légiana était le premier signe de ce changement. Sous-entend que les Légiana nous auraient directement conduits à la cause de tout ceci. Oui, c'est possible. Avant tout, retrouvons la trace du Velkana.
L'équipe de terrain explorera chaque région à la recherche de signes inhabituels. À vos ordres, commandant. Nous allons allouer nos ressources en conséquence afin de mener une investigation minutieuse. Je suis sûr que vous saurez prendre les mesures nécessaires pour faire face aux monstres inconnus que vous rencontrerez là-bas. Et enfin, l'intendance. Nous devons nous préparer au pire. Veillez à maintenir un stock d'urgence aussi vite que possible. C'est tout pour aujourd'hui. Rompez. Bon, ça repartit encore, hein. Donc je pense qu'on va devoir chercher des écofacts. Allez, ça fait fini. Écoutez. Écoutez, je vais essayer pour le safari. On va prendre notre temps puisque voilà. Je pense qu'on va tomber sur encore des sous-espèces en attendant. Tenue de l'assistante. Allez, pour l'instant, on fait que dans le givre éternel. Safari. Ah, givre éternel, on a le banc de barreau. Là, ça peut être pas mal. Ouh, on a le nouveau monstre qu'on a rencontré. Non, on va plutôt faire celui-là. Hop, c'est parti. Alors, je vais voir si je pourrais pas construire quelque chose de propre. Ce sera peut-être pas mal. On va aller voir ça. Non, je pense qu'on pourra pas, non. Je pense qu'on n'a pas assez de... On n'a pas assez de ressources pour fabriquer quelque chose de plus solide. Hein. Ce serait donc, une écoutez. Sacrée surprise que le Velkama se trouve dans le Nouveau Monde. Mais pas une bonne... On a pour mission de déceler des changements dans la forêt ancienne. Qu'est-ce que tu dirais d'une expédition pour tirer cette affaire au clair? Allez, on va se restuffer, on va sauvegarder, se restuffer, et on va chercher ça. Alors, n'oubliez pas que nous sommes bien sûr à l'épisode 6. Alors, je suis désolé de ce petit truc de transition, parce que franchement... je pensais pas que le Barrios était aussi chiant. Et il m'en a fait voir des vertes et des pas mûres quand même. Hein. Donc allez, on va aller là-bas en expédition. À la forêt ancienne. Et on va aller voir quelle sous-espèce qu'on va tomber là-bas dessus. En fonction, on retournera au camp et on ira chercher le matos qu'il faudra contre ce nouveau monstre. Donc je vous recommande vraiment, hein, c'est de faire quoi? C'est de faire des parties de l'histoire. Si vraiment vous galérez un petit peu comme moi et tout ça, faites toutes les quêtes libres et essayez de choper des stuff, puisque tous les monstres, en fait, vous êtes obligé de rebattre tous les monstres, parce que tous les monstres possèdent de nouveaux matériaux. Donc c'est là que vous avez de nouvelles armures pour chaque monstre. Et forcément, les plus intéressants, ça va être les alpha suprêmes, quoi, tout simplement. Et là, ça va nous manquer tout juste peut-être 5 minutes et puis on l'avait. Mais comme on avait fait un autre combat juste avant, je pensais qu'on avait assez de temps pour le terminer. Et c'est vrai que... Il est chiant. Le Barrios, c'est vraiment le plus chiant. Il est un peu comme le Nerf Gigante. Et encore, on n'a même pas encore fait le T-Rex qui est un petit peu aussi chiant que lui. Voilà quoi. On n'est pas au bout de nos surprises. Si allez. Un dragon ancien aussi puissant dans les environs. Ça ne passerait pas inaperçu. Je parie qu'on verrait des monstres inconnus surgir de nulle part. Sur quoi on va tomber cette fois? Ah, y en a un monstre que j'ai pas pu affronter. C'est le Ranjana Tonnerre, dans la région du givre. C'est le seul que j'ai pas pu affronter. Il est vraiment les plus chants écofact bleu. Ça commence. Des traces de Velkama. Jetons un coup d'œil dans le coin. Elle est revenue, la petite embêteuse. Attends une seconde. Ces traces.
C'est bien ce que je pense. Alors, ce serait bien de nous éclairer un petit peu. Ces entailles. Pas de doute. C'est ici, dans le Nouveau Monde. Il y a aussi des empreintes d'anciens Wyveriens. Il doit être à proximité. Ah, on a un ancien Wyverien. Un grand sage. Regarde. Que va-t-il nous dire, ce grand sage? Ça ne quelque pas chose beaucoup. Se prépare. Je crois qu'il va nous arriver quelque chose d'énorme. Et qui c'est qui va devoir tout gérer? C'est papy. Alors, on va préparer le téléportogène. Comme ça, on va pas être embêté. Comme ça, on pourra toujours foutre le camp. Il y a de l'électricité. Ouh, l'électricité. Ouh, j'aime pas ça. Un apneau. Cet Aptonos. Aptonos, ouais. Il est encore chaud. C'est pique, on dirait. Oh là là, le Nargacuga. Oh, la violence du combat. Un Nargacuga. On est les premiers à en voir un dans le Nouveau Monde. Rentrons vite prévenir les autres. Oh, ça va, je pensais qu'on allait l'affronter. Ah ouais, donc ouais, c'est bien ça, donc... Je crois qu'on doit découvrir des monstres et tout ça, et... Là, ça va. Par contre, il faudrait que je change le... ma sacoche, là, parce que c'est un petit peu le bordel. Donc, je pense que peut-être il faut qu'on aille dans toutes les zones et découvrir des nouveaux monstres, je crois, à tous les coups. Allez, allez, allez. Ça va se corser, les amis, ça va se corser. Vous avez trouvé ce qui ressemble à des traces du Velkana dans la forêt ancienne. Et vous avez repéré un Nargacuga, une espèce jamais vue dans le Nouveau Monde. Pour couronner le tout, nous avons reçu un rapport sur un Glavenus repéré dans le désert des Termites. Qu'en penses-tu ? Moi ? Eh bien, la dernière modification soudaine de l'environnement a été provoquée par la traversée des anciens, non ? Je pense qu'il doit y avoir un facteur externe qui provoque encore une fois des changements. Et c'est ce qui a dû rendre fou de rage le Nargacuga et le Glavenus. Et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis d'accord avec le chef. Je pense que beaucoup d'autres espèces sortiront bientôt de leur cachette. Comme le Nargacouga. Vous avez tous les deux une bonne intuition. Bon, nous devons en apprendre davantage sur ces nouveaux monstres devenus actifs. Et chercher d'autres traces du Valkanar. Je veux que vous enquêtiez sur le Nargacouga et le Glavnus. Non, non, me dis pas qu'il faut que je les affronte. Partez à la recherche des sarcophages du Valkanar pour comprendre son mode de vie. Répertoriez les sarcophages et amassez les points de recherche pour remplir la jauge de recherche sur le Valkanar. Montrez également des sarcophages du Valkanar dans lesquels les missions du grand maître. Alors. On doit chasser un Nargacouga et. Oh là 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 là. On peut aussi en profiter pour chercher des traces du Valkanar. Alors, je vais regarder un petit peu les quêtes. Eh ouais. Alors, je pense que peut-être... ça cache. On va encore un petit peu réorganiser tout ça. Ça, ça doit aller là. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais pas si on peut tenter le combat. Je sais pas du tout. J'hésite un petit peu parce que je sais pas si vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? On tente. Bon, on va essayer de tenter. Hein. En expédition, il faut aller sur toutes les régions pour chercher les sarcophages. Bah écoutez, on va essayer de tenter. Hein. On va essayer de tenter de faire le. On va essayer de faire le combat. Je vais envoyer une fusée de détresse. Sauvegarder. Je vais me remettre en électricité. En foudre, je voulais dire. Et on va aller chasser le Nargacouga. Et on va lancer une fusée. On verra si quelqu'un vient de nous aider. Hein. Si personne vient de nous aider, tant pis. Après, si vraiment j'y arrive pas, je pense qu'on va. Je pense que je vais devoir farm, commencer à construire des bons équipements parce que sinon bah, j'y arriverai jamais quoi. C'est moi ce qu'on a capturé. Allez, let's go. Plutôt que je mette en. On va prendre plutôt maintenant la nourriture en défense, je crois. On va prendre la nourriture en défense, on va. On fera moins de dégâts peut-être, mais après, si quelqu'un nous rejoint. Ah, il est vraiment dur hein, quand même. Le... Wow. Allez. Le tout premier Nargacouga du nouveau monde. Quelle chance. Allez, on va essayer de se faire aider. Pour commencer. Allez, défense G. Hop. Yeah. Voilà. Potion ancestrale.
Ah, je suis toujours perdu ici quand j'arrive. Alors, on va essayer de reprendre le même chemin là où on l'a trouvé. Indien, on a un Anjana, on a un Rathalos, je crois. Allez, let's go. On perd pas de temps. Non, 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 descend, descend. Hop. C'est des traces du Velkana. Bon, déjà, on sait qu'on en trouve ici, des traces du Velkana. Alors, on va essayer d'aller du côté. Côté. Un écofact là. On aurait peut-être dû partir en quête des écofacts du Velkana. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux parce que je pense pas qu'on va réussir. Ça là, on en trouve quand même pas mal. Ah, il est là. Impeccable. On dirait un chat. Je crois qu'on va pas y arriver. Si c'est aussi un monstre qui passe son temps à se barrer. Oh la vache. Oh le bug. On passe à travers les monstres. Oh c'est quoi ça? Ah ça je crois c'est statut saignement ça je crois. J'ai hâte à faire gaffe. Ah, il y a quelqu'un qui est avec nous. Impeccable, j'avais même pas fait attention. Ah, on est trois.
c'est cool. Ça fait plaisir. C'est cool, j'avais même pas vu que des gens nous avaient rejoints dans la partie. C'est impeccable, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et la barre du... Ah, par contre, j'ai pas... non, c'est pas ça. C'est vrai que solo, c'est bien, mais à un moment donné, c'est un petit peu long, c'est galère. Et c'est vrai que... Il est où lui là? Il est là. Je vais mettre une feuille de soin. KO pour les gars. En fait, les monstres sont plus à passer leur temps à courir partout que... Peut-être poser un piège. Hop. Ah, il est quand même assez violent. Oh la vache! Allez bien, mais pourquoi il va pas dedans? Voilà. Ah,
Attends, on l'a toujours pas blessé. Hein. Ah, attention au tranchant. Voilà, c'est le capture la boule peinte. Voilà, ça tourne un petit peu. Avec tout ce qu'on lui a mis dans la figure, il tient encore le coup. T'as la vache, quelle coriacité. Je sais pas si ça existe ce mot-là. Ah, il est parti par où? Ah, il est parti du côté du... de l'Anjana. Tiens, j'ai même pas vu qu'il y avait de la lave là-bas. Tiens. Allez, fuis mon petit, fuis. Hop. Oula, par contre j'avais été protégé. Ouais, là il va me focus parce qu'il sait que je vais bientôt crever. Allez, la cape. Ça y est.
C'est vrai que les barils, c'est pas mal. Allez, c'est impeccable. C'est impeccable. Quelques écofacts pour avoir la totalité. Allez, il en reste encore. Bon allez, pour l'instant, on s'en sort très très bien. Merci aux gars qui m'ont rejoint. Parce que c'est vrai que tout seul, je crois que je l'aurais pas fait. Hein. Je crois que pour les prochains mois, je crois qu'on va... On va essayer de se débrouiller un maximum pour que des gens rejoignent la partie. Ah c'est, il est mort. Il faut le capturater. Son terrier, il est assez loin. Allez, c'est impeccable. Tu vas devenir une légende. Je suis bien placé pour le savoir. C'est moi qui écris ton histoire. Bon travail. Sartek, mes chasseurs. Là, franchement, c'était impeccable. C'est du beau travail. Là, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Ah ouais, bah c'est vrai, je vais prendre tout. Nargakuga... On a mis 18 minutes. Ah bah là, il y a une grosse différence quand même, là. Entre le faire tout seul et le faire avec du monde. Par contre, l'investigation, ça a été assez vite. Et démolisseur Amidou. Ouais, pourquoi j'ai réussi à faire un démolisseur? Pourquoi? C'est parce que le monstre a été plusieurs fois distrait. Hein. C'est pour ça. Hein. Sinon, j'aurais jamais eu ces stats-là. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faudra que j'essaie de rejoindre une session, parce que là, j'ai pas fait trop attention à la session que j'ai rejoint. Il faudra que je rejoigne une session pleine par rapport aux missions de base du jeu. Comme ça, ça devrait le faire. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on va pas lancer le prochain monstre. Hein. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. On va voir qu'est-ce qui va se raconter. Parce que je pense que normalement, on doit enchaîner sur le prochain. Mais c'est à nous de le lancer. Cela reste encore les écofacts à faire, je pense. On est c'est ça. Chemin. Avec de la chance, on trouvera des traces du Velkana par la même occasion. Ouais, non, je pense qu'on va pas le faire. Je compte sur toi.
À moins peut-être. Est-ce qu'on a le temps peut-être de rechercher des écofacts? Allez, on va sauvegarder. On va peut-être chercher les écofacts et puis c'est tout. Hein. Allez, on peut au moins faire ça. Ça peut toujours nous occuper. La forêt ancienne, il y en avait quand même pas mal. La forêt ancienne, il y en avait quand même pas mal qu'on a trouvé. Le Valpultri, de façon, ça doit être du côté du Valazac, donc c'est pas trop difficile. Et le plateau de corail, à mon avis, c'est là où il y a le Legiana et le Paolumu et tout ça. À mon avis, c'est toujours par là que ça doit apparaître, les écofacts. Et en plus, j'ai oublié de prendre, il y a un, je sais plus comment on appelle ça, une amulette qui fait monter plus vite la barre de recherche, en fait, pour les écofacts. Donc ça, j'aurais dû peut-être le prendre, j'y ai pas pensé. Donc voilà. De toute façon, ça nous laisse 10 minutes pour quand même chercher des écofacts. Sinon, le fiston, c'est bien, il fait du bruit comme il faut, nickel, il claque les portes. Allez, on y go. Tiens, c'est qui celui-là? Merveilleux. Alors, maître, j'ai trouvé un super objet. On a un écofact inconnu. Alors, peut-être c'est parce que comme on a fait la mission, c'était... Ah bah si, non, on en trouve là. Ah, on a un Anjana. Je crois que ça allait être l'Anjana tonnerre, celui-là. Je sais pas. Non, niveau de menace, c'est peut-être un Anjana normal. Voilà. Ah, là. Velkana. Je sais qu'on en avait trouvé plein, là, ça brille. On en avait trouvé là. Wow, l'Anjana tonnerre. Je me tire. Je voudrais pas faire ma loupiote, mais je ne reste pas dans le coin. Allez, Vekana. On a un bon barreau par ici. On a encore des traces du Velkana ici. Voilà. On va avancer par là. On a le bon barreau. Oh, excellent. Oh là. On a un Tobi Kadachi aussi. Donc ça, c'est peut-être le Tobi Kadachi, je sais plus quoi. Alors, on va essayer d'aller dans la grande place. Ouais, je ne vais pas tarder à me taper, Allez, je pense qu'on peut quitter. Excellent. On va retourner au QG. On doit passer pas mal de d'écofacts. On va repartir. Et on va y retourner. Et on va essayer de valider ça avant la fin du... Parce que je pense que ça va nous demander de retourner au QG.
Dommage que les chargements soient aussi longs, ça nous fait perdre une ou deux minutes. C'est vraiment assez dommage. Et on n'a plus que 5 minutes. Avec le prochain chargement, ça nous fait une minute en moins. On est à mi-chemin. Avec de la chance, on trouvera des traces du Velkana par la même occasion. Hop, on y retourne. Ah, je suis fatigué. Oh, des coucous. On entend du bruit. Ah là 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 là, les qu'est-ce que c'est que ces chargements? C'est un truc de dingue. Quand vous faites des let's play de 1 heure, vous perdez un temps fou. Juste vous enlevez les chargements, vous gagnez au moins facilement 5 minutes quoi. C'est vraiment une catastrophe quoi. Je vois même pas l'intérêt d'installer un jeu sur le disque dur si forcément il y a des gros chargements comme ça. Alors, apparemment, dans la PS5 et puis la future Xbox, apparemment, on nous promet des chargements 10 fois moins longs. Alors, moi, j'aimerais bien voir ça de visu, parce que j'y crois pas du tout, moi. Alors, c'est bien. On perd du temps aussi sur ces conneries-là. Je pense qu'on en sait assez sur le Velkana. Il faut maintenant qu'on se penche sur ces anomalies. Ouais, mais là pour l'instant il est pas plein. Anjana, Velkana. Donc là normalement on peut quitter. Investigation pour compléter la mission. Donc voilà, donc on a terminé sur ça. Donc je pense que ça doit être terminé. Ou alors, parce que d'habitude, il dit toujours compléter avec des étoiles. Et là, on n'a rien du tout. Donc je pense que voilà, ça va nous relancer une nouvelle mission. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce qu'on en est quand même à 58 minutes. C'est vraiment dommage de, voilà, qu'on se retrouve coupé en pleine vidéo, hein, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc voici ce sixième épisode qui se termine, hein. On n'a pas fait, on a fait le Nargacouga, mais avec de l'aide, heureusement, donc ça a mis moins de temps. Si j'avais su les autres plans, j'aurais dû faire pareil. Donc je pense que dorénavant, on va faire des missions en multi On et est à tout mi-chemin. ça. Voilà. Donc, je vais vous laisser et on se retrouve pour le septième épisode la prochaine fois. Je vous dis bon dimanche, amusez-vous bien, ciao ciao!